La pratique habituelle, c'est de faire des transcriptions pour visualiser la polyphonie, alors que le projet de recherche, c'était au contraire de dire qu'il faut qu'on travaille dans les mêmes conditions qu'à l'époque, c'est-à-dire en parties séparées, pour que chacun travaille avec les oreilles pour percevoir le contrepoint, les intervalles, et non pas avec les yeux. Parce qu'avec les yeux, on peut se tromper, et c'est un peu le travail que je fais, c'est que les transcripteurs se trompent très souvent. Ils confondent, ils ne savent pas quelles sont les notes importantes dans le contrepoint. Et donc, ils se disent, ouh là là, il y a une quinte diminuée, une quarte augmentée, c'est pas possible, il faut la corriger. Or, cette note-là est une note d'ornementation et pas la note constitutive de ce qu'on appelle le contrepoint simple. Je vais le faire encore une fois, que ce soit plus clair dans la conduite du contrepoint. 1, 2, Sol, et là, mi, sol, et là ici, et la montée, mi, ça, sol, mi, et sol, fa, sol, fa, mi, fa. Alors j'ai copié par exemple le roman de Fauvel, dans lequel il y a 5 motets de Vitry, en bibliothèque. Et c'est là qu'on découvre énormément de choses, comme quoi il est impossible pour un être humain de ne pas faire d'erreur. Parce que très souvent on se dit, oh, l'original, il faut le garder comme ça, mais on ne se rend pas compte que l'erreur fait partie de la copie. Si on écrit la musique, puis après on essaye de mettre le texte dessous, c'est impossible puisque le texte prend plus de place que la musique. Donc là aussi, ça m'a montré dans quel ordre était écrit un manuscrit. C'est d'abord le texte, puis ensuite on place la musique. Et donc aujourd'hui, cette expérience-là de plusieurs années, ça m'aide énormément dans la lecture du manuscrit parce que j'ai vécu cette expérience en fait. L'idée qu'il fallait une nouvelle édition s'est imposée très rapidement. Et puis ensuite, que cette nouvelle édition, si elle existait dans les années 2020, devait avoir recours à toutes les possibilités qu'offrent aujourd'hui les outils numériques. Donc là, j'ai simplement une page web, hein, qui est la page web de notre projet. J'ai sélectionné ce fichier, Garrison, 06 ici. Garrison, et je vais tout bêtement l'envoyer. Première chose qui sort, eh bien, c'est une retranscription dans la notation originale du manuscrit. Mais alors, la problématique ici, c'est que nous ne pouvons pas savoir si nous avons fait des erreurs de superposition des parties. Donc là, il y a une chose intéressante, c'est qu'on a une autre sortie dans une notation moderne qui va nous permettre de, tout simplement en allant par exemple à la fin du motet, savoir si la concordance termine au même moment. Et ça marche, toutes les voix terminent ici ensemble. On arrive ici à comparer, et ça c'est l'outil absolument fantastique. Vous voyez ici une liste des motets qu'on a encodés, et le nombre de manuscrits. Alors par exemple, si on prend Adesto, qu'on chante tout à l'heure, il y a 5 manuscrits. Ça peut être des manuscrits qui contiennent de la musique ou des manuscrits qui ont que les textes, parce que parfois on trouve des sources qu'avec le texte. Alors déjà là, on voit ici, un indicateur intéressant qui est calculé, c'est le temps d'unanimité musicale, hein, c'est-à-dire quel est le pourcentage du temps où tous les manuscrits disent la même chose. Et vous voyez qu'ici, on arrive, 75, on arrive 97. À presque 100% pour les ténors, et puis on est à presque 80% pour les autres voix, ce qui est quand même impressionnant pour des sources qui sont extrêmement, extrêmement diverses. Alors ici, voilà, voici l'édition littéraire. Alors, un outil fantastique pour travailler avec les latinistes, c'est que vous avez par exemple les 5 sources, vers par vers, avec justement ce qu'on disait tout à l'heure, les différences. On en voit quelques-unes, hein, en pourcentage, c'est pas énorme, mais voilà, on peut voir la superposition, les petites différences qu'il y a, et établir un texte, traduire un texte. Amore di Messie.
pense qu'on peut dire qu'au niveau de la musique pure, il y a quatre éléments indispensables, c'est-à-dire la notation, être capable de lire les valeurs, les durées, des longues, des brèves, la solmisation qui permet de lire les hauteurs. Donc on va dire notation, c'est le rythme pour simplifier, solmisation, c'est les hauteurs. Ensuite, il est capital de comprendre ce qu'on appelle nous aujourd'hui le contrepoint. On pourrait dire l'harmonie, la question de la verticalité dans la polyphonie. Et le dernier point capital, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'ornementation, les fleurs musicales, c'est-à-dire comment orner, passer d'un point à un autre avec des figures. L'intérêt, c'est maintenant donc de garder la solmisation que du contrepoint simple, comme on a fait tout à l'heure, pour qu'on se rende compte que toutes ces figures, ces fleurs, en fait, sont des diminutions des voces. Donc là, c'est l'exercice le plus difficile. On garde le nom de la voce et le reste, c'est de l'ornement. Alors, ce qui me passionne surtout dans le travail de la musique ancienne, c'est cette distance entre la notation et un résultat sonore attendu. Et beaucoup de ça est informé par ce qu'on appelle l'ornementation. Et dans ces fleurs harmoniques, on retrouve ce que plus tard on va appeler les tremblements, les trilli, qui sont... on voit vraiment un lignage dans ce qui est l'art de remplir ce qui n'est pas noté. Dernier ornement, le texte. Mais assez vite, on se pique au jeu de dire des textes, de dire des vers, et c'est là qu'on découvre un tout autre univers où il faut commencer à essayer de se représenter le rythme, l'intonation parlée ou chantante qui pouvait être celle de la Renaissance ou du Moyen-Âge. Et on se rend compte à quel point les personnes qui doivent déclamer un vers, le déclame syllabe par syllabe, comme quelqu'un qui marcherait en regardant la pointe de ses chaussures. Alors que tous les traités qu'on a nous décrivent des vers qui ont une espèce de fluidité. Et donc c'est cette recherche de fluidité, la recherche de variété dans l'intonation, qui fait que petit à petit, en joignant ça à l'articulation historique des syllabes et des consonnes, on arrive à recréer quelque chose qui, peu ou prou, se rapproche de la déclamation au siècle passé. Voilà, peut-être avec la bonne accentuation aussi. Oui. Petre clemens tam requam nomine, cui nascenti tonantis dextera non defuit qui nimo cardine. Et supremo beata munera. Voilà, donc ça c'est le latin que les chanteurs normaux ont l'habitude de chanter. Donc si on veut donner une ligne à ce vers, on n'est plus dans l'accentuation des mots petre clemens tam requam nomine, mais plutôt petre clement tam requam nomine. Hein? On s'appuie sur la césure et sur la rime. Et puis on essaye, alors avec tout ce qu'on a appris déjà, de redonner la sonorité française à ses premiers vers. Petri Clément, ton recon nominé, qui nascenti, ton anti destera. Lugent Sion, si centur oculi, plaudant senes, exultant parvuli. Thank you.
qui est étonnant, c'est que ce répertoire, je le connaissais, mais je le redécouvre complètement. C'est-à-dire, je n'avais jamais entendu cette musique chantée de cette façon-là, avec ces fictas-là, ces fleurissements, donc tous ces petits ornements qu'on ajoute. Et ça, c'est incroyable de voir chanter cette musique de cette façon-là. Sur le début, il n'y a pas trop de difficultés à imaginer que le F ici, on va le chanter. Qu'est-ce qu'un F? On chante Fa ou Ut. Et ici, Fa. Parce que Ut, c'est un peu difficile. Ça descend. On n'y arrivera pas. Donc, Fa. Ok. On le chante sans le rythme. Et on va aller peut-être un petit bout et je vous arrêterai. Donc, on commence sur le Fa. Allons-y, ça fait. Fa, Ré, Mi, Fa, Ré, Mi. Fa, Mi, Ré, Ut. Alors quand on arrive ici, si on continue en solfège moderne ou tout ça, on ferait Ut, Ré, Mi, ou bien en solfège, non, en solfège moderne carrément, do, c'est ça. Ré, do, Ré, Mi, Do, Ré, Si, La, Sol. Et là, nous, avec la solmisation, on sait qu'on va chanter Ré, Mi, Fa, Ré, Mi. Et le Mi se transforme en La. La, Fa, Mi, Ré. Et à la montée, on revient par Bécard. Ré, Mi, Fa. En musique ancienne, surtout médiévale, on est toujours un pied dans la recherche. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, on n'envisage plus aujourd'hui d'interpréter sans aller faire nos recherches tout le temps. Enfin, on est tout le temps en permanence en train de le relier. Après, on le fait avec nos moyens de musiciens, etc., d'artisans. Et ici, on est face à David Chapuis, on est face à Olivier Bétens, on est face à des gens qui dévouent leur vie à la recherche et qui nous amènent un tel puits de savoir et de connaissances que c'est exponentiel par rapport à ce qu'on ferait d'habitude. Et c'est d'autant plus jouissif, évidemment. C'est vrai que c'est très riche d'arriver après un travail de recherche qui a déjà pris quelques années pour eux et d'être là pour concrétiser, pour rendre ça vivant. C'est vraiment très précieux. Un travail de recherche n'est pas séparé d'un travail de performance artistique et qu'une performance artistique sans ce travail-là, c'est vain. Peut-être j'exagère là-dedans, mais c'est superficiel. Bien sûr, n'importe qui peut chanter ces musiques-là, mais il faut les nourrir de ce travail-là. Et c'est un peu l'enjeu, c'est-à-dire, est-ce qu'on va arriver à faire une performance devant public à la hauteur du travail de recherche qu'on a fait pendant des années ?